Je sais que j'y arriverai. Je ne sais pas dans quel état, je ne sais pas si ce sera en courant, en marchant ou en rampant, mais j'arriverai jusqu'au bout de ce défi. L'hurluberlu qui vous parle, c'est moi, Hermano. Papa heureux depuis 23 ans, et pou comblé depuis 19 ans, et sportif depuis toujours. D'aussi loin que je me souvienne de ma plus tendre enfance, j'ai toujours été attiré par le sport. Que l'on parle ici de pratiquer ou de suivre les grandes sportives, les grands sportifs ou les grands événements. En fait, pour moi, le sport, c'est un peu une école de la vie. L'essence même de l'activité sportive, elle reprend les valeurs qui me sont chères. Tester, apprécier, se confronter, parfois réussir, souvent échouer, et puis on recommence, on se relève, on apprend de ses erreurs, on se dépasse, et tout ça, toujours dans le respect de l'autre et de soi. J'ai été empêché par des problèmes de santé de participer à ce qui aurait dû être mon premier triathlon Ironman et une marche vers la qualification au championnat du monde de la distance à Hawaï. Mais j'ai rebondi en allant chercher dans le partage avec les autres ce que je ne pouvais pas avoir sur le terrain du sport. Mon rebond, ça a été de produire depuis 2014 plusieurs podcasts sportifs qui sont autant d'occasions d'échanger avec des pratiquants et des passionnés, tous sports confondus. Pour moi, l'année 2020 a été l'occasion de devenir papa pour la quatrième fois. Et avec cette naissance et pas mal d'autres changements d'ordre personnel, j'ai dû me remettre en question sur de nombreux points. Et des échanges que j'avais avec ces grandes sportives, ces grands sportifs, j'en ai tiré l'envie de transmettre à mes enfants encore plus que de belles paroles. Il fallait que j'agisse pour mettre en musique ma volonté de me dépasser, d'aller au bout de mes limites. Et quitte à le faire, autant donner du sens à mes actions, alors j'ai décidé de soutenir une, puis deux causes qui me sont chères. Et voilà, le défi Agrippa est né. Ce défi, je l'ai conçu pour moi, très égoïstement. Le but est de faire le pont entre plusieurs éléments de ma vie de quarantenaire. D'abord, j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience au Benelux et je suis franco-italien. Alors il faudra que je rallie le Benelux à l'Italie en passant par la France. Et comme je suis très attaché à mes origines gallo-romaines, je le ferai sur le tracé d'une des plus anciennes voies romaines, la Via Agrippa. Les deux causes que je soutiens, en leur reversant 20% de tous les fonds que je parviendrai à lever, luttent chacune à leur manière. Imagine for Margot œuvre dans la recherche contre le cancer des enfants et la seconde association s'active pour la défense de l'environnement. Si vous voulez soutenir ce projet et apporter vous aussi votre pierre à l'édifice, partagez mon défi et contribuez en vous connectant à patreon.com/hermano. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur la Via Agrippa.